Bonjour, bienvenue dans Parlez-vous Cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens, 38e édition. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Frodon, critique. Je vais vous présenter assez sommairement, parce que sinon on y passerait la journée. Vous écrivez pour Le Monde, vous avez été directeur de la rédaction des Cahiers du Cinéma, surtout. Et vous êtes également sur Internet depuis quelques années sur le site Slate où vous couvrez l'actualité cinématographique. J'aimerais d'abord vous poser une première question, c'est tout simplement définir ce que c'est pour vous qu'un critique. Et j'aimerais aussi que vous différenciez le critique du journaliste ou de l'universitaire. Alors, un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films et qui, de son expérience de spectateur, fait quelque chose d'autre avec l'écriture. Comme tous les autres spectateurs, il a eu des émotions en regardant le film, mais à la différence des autres spectateurs, il se lance dans cette activité particulière qui est d'écrire et il essaye pour ses lecteurs de construire Pardon. Vous avez du montage. Il essaye pour ses lecteurs de construire quelque chose de partageable, mais qui vient de ses émotions et de son ressenti de spectateur de ce film. C'est tout à fait différent d'un journaliste, y compris d'un journaliste de cinéma. Moi, je suis aussi journaliste de cinéma, c'est-à-dire que je fais des portraits, je fais des reportages, je fais des interviews, je fais des papiers sur l'économie du cinéma. J'ai trop parlé ce matin. Je suis aussi journaliste de cinéma et on peut faire tout un tas d'activités propres au journalisme, le reportage, l'interview, l'analyse, etc. C'est autre chose que le travail critique. Le travail de l'enseignant est en partie différent, même si il y a dans les deux cas la construction d'un partage. Mais les moyens du partage ne sont pas les mêmes. Mais c'est aussi bien pour un enseignant que pour un critique l'idée de partager une relation avec l'objet dont il est question, en l'occurrence un film. D'accord. Et on a vu un film. De l'eau. Pardon. Merci. Sinon. Voilà. Jean-Michel Frodon a beaucoup parlé ce matin, alors Désolé. d'un il y a une espèce de sport de la parole. Je voulais vous poser la question aussi, je sens que vous parlez d'émotion, vous partez de là. Donc le critique a pour vous une relation vraiment très personnelle au film. Et savoir, dans le film qu'on a vu ce matin, vous entretenez avec Benoît Jacquot, que vous avez co-réalisé et co-écrit, donc vous êtes plutôt vous que Benoît Jacquot le sujet. Vous parlez de moments critiques et j'ai l'impression, est-ce que vous êtes d'accord comme quoi le critique serait comme un bas révélateur d'un film, presque, un second bas révélateur de pellicule? Bon, maintenant c'est plus du numérique. Oui, d'une certaine manière, on peut dire ça dans la mesure où l'écriture critique, elle essaye de donner plus d'accès à un film, de déplier qu'est-ce qui se joue dans un film. Dans ce film, le film il raconte une histoire. Le critique ne peut pas ignorer l'histoire que le film raconte, mais d'une certaine manière, c'est pas du tout le plus important. Le plus important, c'est tout ce qui se joue en plus de l'histoire racontée et qui nous affecte comme spectateurs. Ça affecte tout le monde, pas seulement les critiques. En revanche, le travail du critique permet de rendre perceptible tout ce qui s'est joué grâce à l'ensemble des éléments qui font la mise en scène de cinéma. J'ai encore de l'eau là, si il y a une expression qui m'intéresse beaucoup, que vous avez employée, c'est comme quoi les films seraient des objets, enfin un film serait un objet avec un trou. J'aimerais bien que vous nous expliquiez cette expression, cette idée. Un film est un objet avec un trou, comme tout ce qui est aussi qui
peut être une œuvre d'art. C'est-à-dire, une œuvre d'art, c'est un objet, hein. Il y a des tas d'éléments matériels qui le constituent, mais cet objet n'est pas fini, puisqu'il ne devient vraiment ce qu'il est qu'avec ce qu'en fait chacune des personnes qu'il rencontre, et donc qui occupe ce trou, cet espace laissé vide, volontairement ou pas, par les gens qui ont fabriqué cet objet, en l'occurrence les gens qui ont fabriqué ce film. Dans un film, il y a ou pas une place pour chacun de nous d'y entrer, de l'habiter avec nos idées, nos peurs, nos désirs, nos rêves, notre passé, nos opinions, tout ce qui nous constitue. Et c'est la qualité de ce que j'appellerais un bon film, ou un film qui fait le travail du cinéma, de nous ouvrir des espaces qui nous transforment. C'est-à-dire que ce qu'amène le film affecte la manière dont on va l'habiter. On n'habitera pas de la même manière une comédie avec Charlot en 1922 et un film d'action d'aujourd'hui, ou bien un film fait en Chine, ou bien un film de la Nouvelle Vague française. Mais dans tous les cas, nous avons des moyens de prendre place dans le film. C'est une chose assez banale que je suis en train de dire. Tous les grands cinéastes, d'une certaine manière, ont dit « Moi, je ne finis pas mes films, c'est mes spectateurs qui le finissent à ma place. » La manière dont chaque film nous ouvre, ou pas, accès pour compléter un film ou l'habiter, en investir les espaces vides, est ce qui fait leur richesse, leur pouvoir d'émotion, d'intelligence, de plaisir qu'il y a à les rencontrer. D'accord. Une autre question, ce serait souvent une forme d'expression, de réflexion qui vient à propos de la critique. C'est comme quoi Internet serait la mort de la critique de cinéma. Alors j'aimerais bien donner votre point de vue sur cette réflexion-là. Alors je ne crois pas du tout qu'Internet soit la mort du cinéma, je dirais même au contraire. Ça dépend un petit peu si on parle de la profession de critique, et la profession au sens rémunéré, pour en faire un métier et gagner sa vie avec la critique, auquel cas ça devient compliqué effectivement, mais ça c'est pas propre à la critique, c'est vrai du journalisme en général, ou si on parle du travail critique. Le travail critique, il est aujourd'hui accompli par beaucoup de gens, en particulier de jeunes gens, qui, sans en faire leur métier, c'est-à-dire sans être payés pour ça, se consacrent, ou consacrent une part importante de leur temps, de leur intelligence, de leur énergie, à écrire à propos des films, et ils ont la capacité d'être publiés et d'être lus grâce à Internet, ce qui était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus limité autrefois. Et donc, si on sépare la question professionnel du métier du geste critique, de l'activité de la critique elle-même, Internet ouvre au contraire des possibilités nouvelles. Et là, je parle de gens qui font des vraies critiques, c'est-à-dire qui entreprennent un travail d'écriture qui peut être long, qui est compliqué, qui ne consiste pas juste à dire c'est bien, c'est mal. Il ne s'agit pas de likes ou de chats ou de choses comme ça, qui sont très bien aussi, mais qui ne sont pas de la critique. Mais le travail critique, pour des jeunes gens, ils sont le plus souvent jeunes, qui veulent s'y consacrer, trouvent sur Internet des espaces et des possibilités d'existence considérables, et qui sont activés, c'est-à-dire que, pouvant le faire, les gens le font, alors que pourrait dire, bah oui, ils peuvent le faire, mais ils ne vont pas le faire. Non seulement ils le font, mais en France, on assiste à un phénomène tout à fait étrange et assez remarquable. C'est que rien que cette année, en 2018, 5 revues papier sont nées de blogs ou de sites critiques qui ont été nés sur Internet. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée que l'Internet, en tout cas, remplacerait l'imprimé, à partir de l'Internet, ça a réengendré de nouveaux supports papier qui sont nés et qui sont pas du tout antinomiques. C'est les mêmes gens, d'ailleurs ils ont gardé les sites en plus des publications imprimées, et donc qui fait que Internet n'est pas du tout, pour moi, la mort de la critique. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Fronon, c'était un plaisir. Je vous dis au revoir et à très bientôt dans Parlez-vous cinéma. Avec plaisir.